Depuis 2015, c'est 1500 parcours, 200 en région PACA, qui ont été mis en œuvre à destination des jeunes de 18 à 30 ans pour leur permettre, par le sport, de développer tout un tas de qualités que vous allez vivre tout au long de la journée pour pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai commencé avec l'envie, bien sûr, et l'envie de jouer et de réussir, ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre le poste de responsable d'agence. Mon ambition, c'est ben là, je suis installé, je suis en CDI, de continuer à perdurer, d'évoluer et que plein de jeunes puissent rejoindre les parcours pour qu'on puisse avoir une grande équipe de sportifs. On trouve forcément, au-delà de leur qualité individuelle, on trouve des qualités d'équipe. Des gens qui ont toujours trouvé des moyens d'apporter un pouce au sein d'une agence bancaire. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir continuer de diriger l'ensemble du territoire PACA. Donc on a fait des classes à Nice, on a fait Toulon, on a fait Avignon, on a fait Aix-en-Provence et Marseille. Et souvent d'ailleurs, quand on l'a pu, on l'a fait avec nos confrères de Crédit École. Les managers apprécient aussi d'avoir en alternance des jeunes qui sont issus de parcours différents et qui peuvent leur apporter, comme disait tout à l'heure mon collègue d'LCL, leur apporter une façon de voir la banque moderne, différenciante. Le sport, on sait que c'est la santé pour les collaborateurs d'une entreprise, et aussi, on sait aussi que c'est un outil pour améliorer la qualité de vie au travail, et on en a besoin après les périodes qu'on vient de traverser. Les diplômes, ça ne fait pas tout. Et se baser sur les vraies compétences des personnes, c'est important, mais les compétences qui sont celles qu'elles savent faire au quotidien. On va chercher toutes les qualités qu'ils peuvent avoir. Donc peu importe qu'ils sachent très bien jouer ou pas, c'est pas ça qui vraiment nous importe le plus, mais c'est ses compétences.